الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue en langue française l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc il nous restait le dernier verset choisi de sourate Yunus à étudier. Et ensuite, on passera à Surat Hud. Surat Hud, Inch'Allah Ta'ala. Yaqul Allah Azza wa Jal, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc ça c'est fi Surat Yunus, c'est le verset 62 et 63. En vérité, les bien-aimés d'Allah. Donc le terme ici employé c'est awliya. Ala inna awliya Allah. Et le terme awliya, c'est un pluriel. Et son singulier, c'est wali. Waliyun, bishidda. Waliyun, al-wali. Et ça vient en fait du terme al-wilaya. Ça vient du terme al-wilaya. Au niveau de la langue arabe, le terme al-wilaya, donc al-wilayatu, ma'atal marbota, al-wilayatu, si on écrit ces termes, au niveau de la langue arabe, ça a plusieurs sens, et parmi les sens, al-mahabba. Al-mahabba, c'est-à-dire l'amour. C'est pour ça qu'ils le traduisent les bien-aimés. Ceux qui sont bien-aimés, par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le même sens, ils sont rapprochés d'Allah azawajal. Car celui qui est bien-aimé d'Allah azawajal, il est rapproché de lui. Donc c'est le terme au niveau de la langue. Al-wali, son père al-awliya, et qui vient du terme al-wilaya, al-wilayatu. On a déjà expliqué, on a déjà vu que certaines personnes emploient ce terme à tort. Comme on voit dans beaucoup de sectes soufis, ils emploient en fait ce terme pour désigner une personne bien précise, une personne qui est rapprochée d'Allah Azawajal, et cette personne-là, il lui attribue en fait ce que l'on devrait attribuer à Allah Azawajal, uniquement. On avait déjà expliqué cela dans les cours de croyance. Et le véritable nom ou la véritable explication de ce terme ici dans le Coran, Ala inna awliya Allahi, yaqul Allah Azza wa Jal, la khawfun alayhim, wa lahum yahzanun. La khawfun alayhim, wa lahum yahzanun. Ils seront à l'abri de toute crainte. Et ils ne seront point affligés. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va nous donner l'explication. Il va nous donner une explication. Qui sont ces gens-là? Ou que veut dire Allah Azawajal par ce terme Awliya? L'explication nous est donnée donc par le Coran. Donc c'est ici tafsir le Coran bil Coran. C'est-à-dire qu'on va prendre l'explication du terme Awliya par le verset suivant. Donc on explique un verset du Coran par un autre verset du Coran. Et ça, c'est la première étape. Il nous dit Allah Azawajal ensuite, donc dans le verset suivant qui est le 63, Alladhina. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Voilà l'explication tout simple du terme awliya. Donc al-wali, c'est celui qui croit et qui craint Allah azza wa jal. Yaqul al-shaykh fi hatayn al-ayatayn al-karimatayn bayan an awliya Allah hum al-mu'minun al-muttaqun. Donc al-mu'minun al-muttaqun, qui vient donc ici, qui est pris donc du verset suivant, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hum alladhina amanu bi rububiyatillah. Donc ici il fassir le shir, c'est-à-dire qu'il nous donne l'explication du terme alladhina amanu, et en fait qui est ceux qui ont cru. Et cette explication là elle est valable donc dans tout le Coran, sachant que le Coran il vient beaucoup avec la désignation de ces gens là alladhina amanu. Donc il nous dit le shir, alladhina amanu bi rububiyatillah, ceux qui ont cru à la souveraineté d'Allah azawajal. Tawhid al-rububiyya,
et qui ont cru donc en la, en l'adoration, ou qui ont cru en la divinité d'Allah Azzawajal. Ici bien sûr Uluhiyatihi, qui revient en fait au terme al-ibada, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu en Allah Azzawajal qu'il seul méritait l'adoration, que seul lui méritait l'adoration. Donc c'est ici Tawhid al-Uluhiyya, comme on a dit al-Uluhiyya, et comme on a déjà expliqué maintes fois Tawhid al-Ibada, qui sont différentes expressions pour exprimer le même, la même chose. Wa asma'ihi wa sifati, ses noms et ses attributs. Et bien sûr, croire en ses noms et ses attributs comme il se doit, suivant les règles que nous a édictées le Coran et que nous a édictées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les règles donc que nous ont expliquées ensuite les salaf. Donc on revoit ici les trois catégories du tawhid: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Donc ceux qui ont concrétisé ces trois catégories. Wa taqouhu bi imtithali awamirihi, et qui ensuite craint Allah Azzawajal, donc ils ont cru en cela. Ensuite ils ont craint Allah Azzawajal, comment cela? Wa kanu yattaqu, ils ont cru en Allah Azzawajal en accomplissant ses ordres. En accomplissant ses ordres. Donc on voit ici l'amel. On voit ici après la croyance, on voit qu'il y a l'action, qu'il y a l'acte. Parce que ça se traduit bien sûr par les actes. La taqwa, la crainte d'Allah Azzawajal, se traduit par des actes. Bimtithali awamirihi. Wa ijtinabi nawahi, c'est-à-dire qu'ils doivent se délaisser et s'écarter de ce qui est interdit. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup dans le Coran alladhina amanu wa aminu salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Et ici wa kanu yattaqun, donc après la croyance automatiquement il y a l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une croyance ici, il y a une œuvre, ou il y a des œuvres qui se traduisent ici par la parole du shir, qui ont craint Allah Azzawajal, ils craignent Allah Azzawajal, bimtithali awamiri. Et c'est en fait, comme on l'a déjà expliqué, ma'na taqwa, c'est-à-dire la signification du terme taqwa lorsqu'il est cité lui-même. Lorsqu'il est cité seul, il représente ces deux choses: l'accomplissement des ordres, accomplir les ordres d'Allah et de son prophète, et s'écarter des interdictions d'Allah et de son prophète. Et le shir nous dit wa kullu man kana mu'minan taqiyan. Donc chaque personne qui est croyante et qui est pieuse, alors c'est un wali. Il est considéré comme un wali au niveau de l'istilah, au niveau en fait de la compréhension du terme d'un point de vue religieux. Il est considéré comme un wali, la personne qui a cru, véritable iman, c'est-à-dire qui a une croyance, une foi qui est authentique, conforme au Coran, à la sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs, et qui était taqi, c'est-à-dire qui accomplit les bonnes actions, ou qui accomplit les ordres, qui s'est écarté des mauvaises actions, donc qui a craint Allah Azzawajal comme il se devait, cette personne-là est considérée comme wali. Pourquoi? Parce qu'elle va être aimée d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il aime ceux qui ont cru en lui comme il se devait, et ceux qui ont concrétisé la piété. Et c'est pour ça que le shir ensuite il nous dit, donc on voit que c'est un terme qui est général, un terme qui est général. Contrairement à ce qu'on certains innovateurs l'ont utilisé à des fins autres et l'ont utilisé pour une signification qui va être restreinte. C'est pour ça qu'il nous dit le shir walaysat al-wilayatu maqsuratan ala afradi tad'i aw tud'a fihim al-wilaya. C'est-à-dire le shir nous dit que al-wilaya, donc ici bima'na al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, al-wilaya, al-mahabba, comme on l'a expliqué. Il dit c'est pas restreint seulement à certaines personnes dont on a prétendu qu'il détenait cette wilaya, cette mahabba, c'est-à-dire mahabbat Allah, c'est-à-dire l'amour d'Allah Azzawajal. Wa yughla fihim hatta yusraf li ba'dihim ma la yusraf illa lillah. Donc c'est ce qu'on a expliqué au départ. Il dit le shir, ces gens-là, une fois qu'ils ont tout simplement restreint cette wilaya pour des personnes bien particulières et restreintes, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont exagéré dans leurs droits. Ils les ont élevés au-dessus de leur rang. Et en fait, ils leur ont attribué ce que on attribue seul à Allah subhanahu wa ta'ala, comme anwa' al-rububiyya, comme certaines choses qui sont propres à la souveraineté d'Allah azawajal, comme le fait d'être l'auteur du rizq, c'est-à-dire de pourvoir à ses créatures, de donner des enfants, de faire descendre la pluie, etc. Tout ce qui rentre dans ma'na al-rububiyya, dans la souveraineté. Et également l'uluhiyya, c'est-à-dire qu'ils ont adorer ces gens-là sous forme d'adoration
ils sont en fait des adorations qui ne peuvent être données qu'à Allah Azzawajal. Et bien sûr, toute adoration n'est que dans le droit d'Allah Azzawajal. On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah Azzawajal. Eux, ils ont adoré autre qu'Allah Azzawajal lorsqu'ils ont attribué cette wilaya à ces gens et qu'ils ont ensuite exagéré dans leurs droits. Eux, ils ont donc attribué des formes d'adoration à ces gens-là, ou ils ont accompli des formes d'adoration en vue de ces gens-là, ce qu'ils appellent al-wali. Et bien entendu, on voit dans le monde musulman, que ce soit fi sharq, fi gharb, janoub, ou fi shimal, on voit en fait dans tous les coins de la terre, dans les pays musulmans, on voit en fait que ces gens-là ont pris ces personnes-là comme divinité. C'est-à-dire qu'ils les ont associés à la divinité, dans le sens où ils leur ont attribué ce qui était propre à Allah Azzawajal, et ils ont accompli des formes d'adoration qui ne devraient être que pour Allah, bien entendu. Donc dans ce sens-là, ils ont placé ces gens-là au rang de divinité. Wallah al-musta'an. Et bien sûr, eux, lorsqu'ils disent al-wali, ils peuvent dire quelqu'un qui est mort, ou ils peuvent également dire une personne qui est vivante. C'est-à-dire que c'est encore plus général auprès de ces gens-là. Et bien entendu, on peut le voir de manière générale ou auprès des soufis. Et de ceux qui ont suivi, malheureusement, parmi les gens, l'awam, c'est-à-dire les gens de manière générale, le commun des musulmans, parmi ceux qui ont malheureusement beaucoup d'ignorance, qui ont suivi ces gens-là, et qui ont écouté ce que leur ont enseigné, et qui ont bien sûr donc continué à appliquer cet enseignement, c'est-à-dire qu'il était permis de faire des adorations auprès des tombes, auprès de ceux qu'on appelle les walis, qu'ils soient donc morts, ou également ceux qui sont vivants, et croient dans ceux qui sont vivants, comme c'est le cas également de ce qu'on appelle les chouyours auprès des soufis, leurs guides spirituels, etc. Beaucoup d'eux croient en eux, qu'ils ont une capacité précise et spéciale, qui leur donne en fait le droit pour l'adoration. Donc en ce sens, il les place au niveau de divinité. Wallah al-musta'an. Ensuite, également dans le premier verset, on a vu « La khawfun alayhim wa lahum yahzanun » Donc « La khawfun alayhim fima yastaqbilunahu min ahwal al-akhirah » Donc ça, c'est la parole de Ibn Kathir que nous rapporte le shir, hafidhahullah. Donc, le terme « La khawfun alayhim » Ils sont à l'abri de toute crainte, c'est comme ça qu'ils le traduisent. « La khawfun alayhim » Donc « Al-khawf » Al-khawf qui est la peur, la crainte. « La khawfun alayhim » C'est-à-dire que فِمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَهْوَالِ الْآخِرَةِ C'est ce qui va venir dans le futur, bien sûr, ce qui va les attendre dans le futur, comme les terribles positions, bien sûr, فِي الْآخِرَةِ C'est-à-dire, durant le jour du jugement, et tout ce qui va suivre le jour du jugement, Wallah al-musta'an. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا وَرَاءُهُمْ فِي الدُّنْيَا C'est-à-dire, ils ne vont pas être tristes, c'est-à-dire donc, يَحْزَنُونَ qui vient du terme al-huzn, qui est la tristesse, donc ils n'ont pas à être affligés, n'ont pas à être tristes par rapport à ce qui est passé dans la dunya. Donc on voit ici la khawfun alayhim pour le futur, wa lahum yahzanun pour le passé. Donc c'est l'explication que nous donne Ibn Kathir, c'est-à-dire pour ce qui est de wa lahum yahzanun, pour ce qui est des choses qui sont derrière eux, qui sont passées par rapport à ce qu'ils ont fait dans cette dunya. Donc c'est l'explication de terre. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et c'est ce qu'en fait leur promet Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à avoir peur. Ce qui est considéré comme un wali, celui donc qui a concrétisé la croyance comme il se devait, qui a eu la piété envers Allah Azzawajal, il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à avoir peur dans ce qui va lui advenir, et il n'a pas à être triste par rapport à ce qu'il a délaissé dans la vie d'ici-bas et ce qu'il a fait. Taïb. Ensuite, on passe Sourate Hud. Et le premier verset que le shir, il va nous citer, c'est le suivant. Et c'est le verset numéro 6. Puis Sourate Hud. Qawluhu ta'ala, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Ça, c'est le verset 6, Sourate Hud. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يقول الشيخ أخبر الله تعالى في هذه الآية أن كل دابة تدب في الأرض في البر والبحر أن متكفلون برزقها سبحان الله
ويصل إليها ما كتبه الله لها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها. طيب. En ce verset, Allah Azzawajal, il nous informe que tout ce qui est sur la terre parmi les bêtes, et bien sûr ici le terme dabba vient du verbe dabba, dabba, yadubbu fil ardi, fil barri wal bahr. Tout ce qui en fait, donc on pourrait traduire ce terme dabba, puis un terme général, on pourrait le traduire par tout ce qui se déplace, tout ce qui circule sur la terre et également sur la mer, donc parmi les bêtes, qui se déplacent sur leur ventre, qui se déplacent sur deux pattes ou à quatre pattes, tout cela, Allah Azzawajal, il nous dit que al-rizq, c'est-à-dire donc la subsistance, Allah Azzawajal mutakaffil bidhalik. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui assure cette subsistance à chacune de ses bêtes. Subhanallah. Et que tout cela est écrit, kullun fi kitabim mubin, que tout cela est écrit sur un livre. Et le livre ici, c'est al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire la table bien gardée. Comme on va le voir et comme nous explique le shir. Il nous dit. Marna ici, mustaudaha wa mustaqarraha, il va nous donner la marna. Il nous dit wa mustaqarruha haythu ta'wi, c'est-à-dire ici le terme mustaqar, c'est en fait le refuge, l'endroit où se réfugie cette bête, l'endroit où se repose cette bête. Donc Allah Azzawajal, il sait où elle se refuge, où elle se repose. Haythu ta'wi wa mustaudaha haythu tamut, c'est-à-dire il sait Allah Azzawajal où elle va mourir. Haythu tamut. Donc ils l'ont traduit par son gîte et son dépôt. Et donc ici l'explication qui nous est donnée, c'est haythu tamut, c'est-à-dire là où elle meurt. Wa mustaudaha. Et également il y a une autre explication qui est donnée pour ce qui est de mustaqarruha ou mustaqarraha fil arham, c'est-à-dire dans les matrices. Wa mustaudaha fil aslab. C'est-à-dire dans les reins, dans les lombes. Bien sûr, c'est la région inférieure du dos, dans les lombes. Donc c'est ce qui est pour mustaqar, c'est al-arham, les matrices, et mustaudaha fil aslab, c'est-à-dire dans les reins, dans les lombes. Et ces deux avis, pour ce qui est de ces deux termes, ils sont rapportés par Ibn Kathir, d'après, qui lui le rapporte en fait de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah. Et il nous dit le shir que fi kitabim mubin ma'na huwa al-lawhul mahfouz comme قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم من قبل أن نبرأها. Ça c'est le surat al-hadid, c'est le verset 22. Donc il nous cite ce verset le shir pour nous expliquer que ma'na ici kitabim mubin wal-lawhul mahfouz ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الحديد. C'est le verset 22. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient registrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et bien sûr, اللوح المحفوظ, c'est où Allah Azza wa Jalla a écrit le destin de chacun. Et donc, bien sûr, ça revient également à la croyance, à la prédestination. Et il nous cite un autre verset, le shirk. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا في سورة الأنعام, c'est le verset 38. Et également ici donc on voit que al-ma'na fi kitab mubin, donc c'est bien sûr al-lawh al-mahfouz, ou le livre bien gardé. Nulle bête marche sur terre. Pour ce qui est du verset, nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Donc ici, ma'na kadhalik, le livre, ma farratna fil kitab min shay, c'est bien sûr al-lawh al-mahfouz. Ensuite, le shir, il va nous donner deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces deux hadiths, il nous a invités, dans un premier temps, à avoir un tawakkul. C'est-à-dire faire complètement confiance à Allah Azzawajal pour ce qui est de nos risques, pour ce qui est de la subsistance. Parce qu'on sait que c'est Allah Azzawajal qui la donne, cette subsistance. Et on sait que cette subsistance, elle est donc écrite, fil kitab. Que ce soit pour les bêtes, alors que dire pour ce qui est des humains. Tout est écrit. Et le risque, c'est-à-dire ce que tu vas toucher dans cette vie d'ici-bas, ce qu'Allah Azzawajal va te donner comme bien, c'est déjà écrit. C'est-à-dire tu ne vas pas mourir sans que tu n'aies pris tout ce qu'Allah Azzawajal
t'a donné comme subsistance. Tout ce qui est écrit, tu vas l'avoir. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam? يقول الشيخ في سنن ابن ماجه بإسناد حسن donc il se trouve dans les sunan de Ibn Majah بإسناد حسن une bonne chaîne de transmission عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Et ça, c'est un hadith donc qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah parmi les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ayyuhan nas ittaqu Allah, ô vous les gens, craignez Allah. واجملوا في الطلب, c'est-à-dire lorsque vous demandez à Allah azza wa jalla et lorsque vous cherchez votre risque, alors faites-le de la meilleure des façons, c'est-à-dire une manière qui est conforme à la religion, qui est conforme à la législation, licite, autorisé. فَإِنَّ النَّفْسَنْ لَا تَمُوتَ حَتَّ تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. Il nous dit le prophète sallam que chaque personne, فَإِنَّ النَّفْس, ou un nafs encore plus général, chaque âme, لَنْ تَمُوتَ حَتَّ تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا, elle ne mourira pas tant qu'elle n'a pas reçu sa subsistance, tout ce qu'Allah Azzawajal, son risque, tout ce qu'Allah Azzawajal lui a écrit. Abadan, ça tu peux en être sûr. Et c'est là en fait qu'advient la foi, la force de la foi et la certitude. Lorsque tu sais qu'Allah Azzawajal, il t'informe cela dans son livre. Lorsque tu sais que les bêtes elles-mêmes, on va le voir dans le deuxième hadith, les bêtes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils placent leur pleine confiance à Allah Azzawajal. Donc qu'est-ce que ça devrait être de l'homme? وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا, c'est-à-dire même si elle a cette subsistance, elle a retardé. Peut-être que pour l'instant, ton risque n'est pas encore venu complètement. Allah Azza wa Jal, de par sa pleine sagesse, il la retarde. Il retarde ses subsistances, ce risque. Dans tous les cas, tu ne mourras pas sans que tu aies reçu tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit. Donc la personne qui a réellement la certitude sur cela, et par rapport à cela, c'est pour ça qu'il nous dit le shir, Arfwan, c'est pour ça qu'il nous dit le prophète sallam, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Donc, à partir de là, si vous êtes sûr de cela, si vous connaissez, vous avez science de cela, et vous appliquez cette science-là de par votre cœur, fattaqullaha, alors craignez Allah azawajal, wa ajmilu fi talab. Et donc, prenez et demandez et allez à la rencontre de votre risque et cherchez votre risque par des voies qui sont licites. C'est pour ça qu'il nous dit le prophète sallam, khudou ma halla wa da'u ma haruma, c'est-à-dire prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est interdit. Donc ça revient en fait dans un premier temps à la foi, à l'iman. La personne qui a une foi qui est correcte, une foi qui est comme il se doit, une foi forte, cette personne-là, elle n'a pas à tomber dans ce qui est interdit, dans la recherche de son risque. Par contre, la personne qui n'a pas la certitude sur cela, qui est une foi qui est basse, alors automatiquement, dans la plupart des cas, c'est une personne qui va tomber dans cela. Et combien on voit, subhanallah, combien on voit de personnes, même si en apparence multazim, en apparence qui suit la sunna, etc. Mais lorsque c'est une question d'argent, lorsque c'est une question de chercher le risque, c'est comme s'il n'y avait plus de dîn, c'est comme s'il n'y avait plus de règles, et c'est comme s'il n'y avait plus de loi à suivre. كما يقال الحلال ما في يدي, c'est-à-dire l'illicite c'est ce qu'il y a dans ma main. Allah al-musta'an. Donc si ces personnes-là avaient eu réellement une foi comme il se doit, une foi qui est forte, et la certitude en ces versets du Coran, la certitude en ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors jamais elle ne serait tombée dans le haram. Jamais elle ne serait tombée dans le haram. Et le deuxième hadith qui nous rapporte le shir, donc ce hadith-là qu'on a cité, donc Ibi Isnadin Hassan, c'est un hadith qui est rapporté par Sheikh Al-Albani, Fisil Silat al-Sahiha, comme nous l'informe le Sheikh. Et le deuxième hadith, An Umar, radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, law annakum kuntum tatawakkalun ala Allah haqqa tawakkulihi, la ruziqtum kama yurzaqu at-tayru
تغدو خماصا وتروح بطانا وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. طيب le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith qui est authentique, qui est apporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani, يقول عمر رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله. Donc si vous placez votre confiance, tawakkul, si vous placez votre confiance envers Allah Azzawajal, comme il se doit, c'est-à-dire haqqa tawakkulihi, placez sa confiance à Allah Azzawajal comme il se doit, véritablement, véritablement, comme il nous est demandé à chaque croyant. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi, la ruziqtum kama yurzaqu at-tayru. Alors Allah Azzawajal, bien entendu ici, sous-entendu Allah Azzawajal, vous aurez donné votre subsistance. Votre subsistance vous sera donnée comme elle est donnée à l'oiseau. Tardou khimasan. Tu ne vois pas en fait que l'oiseau, donc le prophète il nous dit, tardou khimasan. L'oiseau il part le matin. Il a le ventre vide. Jaya. Il a faim, il a l'entre. Il n'a rien du tout. Pas d'économie, rien du tout. Wataruhu bitanan. Et il revient en soirée. Il revient en soirée, bitanan, c'est-à-dire qu'il revient, il a le ventre plein. Qu'est-ce qu'il a fait en fait cet oiseau? Il est parti. Tawakkulan ala Allah. Il est parti, il a placé toute sa confiance en Allah Azzawajal. C'est un oiseau. Il est revenu le soir, bitanan, c'est-à-dire il est revenu le soir, comment cela? Le ventre plein. Si vraiment on avait le vrai tawakkul ala Allah, il nous arriverait exactement la même chose. Et on n'aurait rien à craindre. Combien de gens, subhanallah, ils craignent en fait pour le risque, ils pensent loin, ils réfléchissent. Yusib al-qalaq, c'est-à-dire l'angoisse, il est même angoissé par rapport à cela, subhanallah. Tout ça en fait, ça fait partie des alamat da'f al-iman. Ça fait partie des signes de la foi qui est faible, très faible. Le fait simplement qu'elle pense à son risque, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que demain je vais toujours avoir mon risque? Elle commence à angoisser. Ça, da'f shadid, c'est une très grande faiblesse. Qu'elle s'angoisse par rapport aux actes qu'elle a fait, les actes qui sont par rapport à la religion. Est-ce qu'ils vont être acceptés par Allah Azzawajal? Est-ce que ces actes, ils auraient pu être faits d'une meilleure manière? Est-ce qu'il y a d'autres actes à faire? Etc. Par contre, angoisser pour ce qui est du risque, alors il n'y a pas lieu. Wallah al-musta'an. Parce que Allah Azzawajal, comme dans ces deux hadiths qui nous est cité par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la chose est claire. Allah Azzawajal ou al-mutakaffil, c'est lui qui va nous donner notre risque. Quoi qu'on fasse, c'est lui qui va nous donner notre risque. Et au moment où on mourira, ce sera terminé. Ce qui nous a été écrit, Allah Azzawajal nous l'aura donné. Et c'est donc également, subhanallah, adal amr, c'est-à-dire cela, c'est également une manière de pouvoir mesurer sa foi. Minnahet et tatbiq, c'est-à-dire par rapport à l'application. De voir vraiment comment notre foi, pour ce qui est du risque. Est-ce que maintenant, lorsque il se présente à moi une affaire ou quoi que ce soit, est-ce que je vais emprunter ce qui est halal, est-ce que je vais emprunter ce qui est haram, est-ce que j'ai conscience avant tout à cela, et est-ce que j'angoisse par rapport à ce qui est de mon risque ou pas? Tout cela revient en fait à l'iman. Plus la personne a une foi qui est forte, et plus ces choses-là lui sont en fait thanawiya, c'est-à-dire des choses qui vont être considérées auprès de lui comme secondaires. Et elle va s'intéresser à des choses qui sont bien plus grandes que cela. Et porter toute son attention sur ce qui est plus grand que cela. À mal risque, la personne, bien sûr, elle travaille. Mais risque, c'est Allah Azzawajal qui lui donne. Ensuite, le shir, où on passe à Surat Yusuf. À Surat Yusuf. Et parmi les versets que le shir a choisi, il a choisi deux versets dans Surat Yusuf. Et le premier verset, c'est le verset 108. Le verset 108. يقول الله عز وجل فيقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى وحفظه الله قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين قل. Donc il le dit, Allah عز وجل dit de dire à son prophète, قل هذه سبيلي, dit
ceci est ma voie. Ceci est ma voie, Sabil. As-Sabil, c'est la voie. Ad'u ilallah. J'appelle les gens à Allah. À Allah Azza wa Jal. Comment cela? Ala basira. Ala basira. C'est-à-dire, al-basira, comme va nous l'expliquer le shir, c'est al-ilm. Al-basira, c'est al-ilm. C'est-à-dire la science, avec science. Ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Moi et ceux qui m'ont suivi. Ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont suivi ma voie. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. Ici, comme nous le rapporte le shir, d'après la parole de Ibn Kathir, il nous dit le shir que le prophète sallam, il lui commandait de dire aux gens que sa voie c'est celle-là. C'est d'adorer et d'appeler les gens à l'adoration d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il nous dit le shir أو ابن كثير يقول إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا كلمة التوحيد. Ça c'est la parole du tawhid. Ça c'est la parole de l'unicité. Et le shir nous a dit أن دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Donc à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla uniquement. Ça c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أدعو إلى الله. لا أدعو إلى نفسي. C'est-à-dire je ne fais pas la da'wa pour moi-même. La ad'u ila hizbin, je ne fais pas la da'wa pour un parti. La ad'u ila ta'ifatin, je ne fais pas la da'wa pour une secte bien précise. Ad'u ila Allah. Yaqul Allah Azzawajal, de dire à son prophète, ad'u ila Allah. J'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, pureté d'intention dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Et que cela, هذا السبيل والسبيل أتباعي الذين يسيرون على نهجي. C'est en fait la voie de ceux qui ont suivi le prophète صلى الله عليه وسلم. Ceux qui ont suivi son minhaj, minhaj النبوي على النهجي, يعني النهج والمنهاج, c'est-à-dire sa voie. Tous ces termes reviennent à la voie, au chemin, etc. وأن هذه الدعوة يقول الشيخ الشيخ عبد المحسن وأن هذه الدعوة على علم وبصيرة. Et que cette da'wa, elle se fait par rapport à une science. Et donc on a dit, wa basiratin. Donc basira wa ilm sont des termes qui sont proches. Même si le terme basira peut être encore plus général. Ala kulli hal, il faut que ce soit avec science. Il faut que ce soit avec science. C'est pour ça que, yaqul shir, yad'u ilallahi biha, yani Ibn Kathir yaqul, rahimullah, yad'u ilallahi biha ala basiratin min dhalika, wa yaqinin wa burhanin. C'est-à-dire qu'il appelle Allah Azza wa Jal avec science, avec clairvoyance, avec certitude, c'est-à-dire avec des preuves qui sont certaines, wa burhan, religieuses, et des preuves également rationnelles. Et bien sûr, lorsqu'on dit qul, ou lorsqu'on rappelle cette parole d'Allah Azza wa Jal, qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ça fait partie en fait, où Allah Azza wa Jal, à travers ce verset, il nous informe des conditions de la da'wa. La da'wa, c'est pas une chose que l'on fait suivant notre passion ou une chose que l'on fait suivant notre avis personnel. La da'wa, c'est une chose que l'on doit faire en suivant la législation. Nataqayyad bil al-ahkam. C'est-à-dire qu'on doit faire notre da'wa suivant les règles de l'islam, suivant les règles de la sunna. Et parmi ces règles, donc, que notre da'wa soit fait avec science. Ça, c'est l'une des premières règles, comme il est cité dans le verset. قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ. عَلَى بَصِيرَ. Et avant cela, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, bien sûr, بِلِخْلَاس. بِلِخْلَاس, avant toute chose également. C'est-à-dire que cette da'wa doit être faite avec ikhlas. C'est ce qu'on comprend dans la parole d'Allah Azza wa Jal, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Donc ça, c'est déjà une condition qui est citée. Et là, donc, la deuxième condition, عَلَى بَصِيرَ. Deuxième condition, c'est la science. C'est la science, que la personne ait de la science lorsqu'elle fait prêche, qu'elle connaisse ce qu'elle enseigne, qu'elle connaisse ce à quoi elle appelle. Et bien sûr, des conditions, il y en a plusieurs. Parmi celles également que l'on peut citer à titre d'exemple, elle amal bima yad'u ilay, c'est-à-dire que la personne doit accomplir et doit faire ce à quoi elle appelle. Donc,
قدوة أن يكون قدوة حسنة c'est-à-dire qu'elle soit en fait un modèle, un exemple. Si la personne qui appelle à Allah Azzawajal, qui appelle à la sunna et qui contredit cette sunna et qui contredit ce à quoi elle appelle, comment la personne va pouvoir accepter d'elle? Comment la personne va pouvoir accepter d'elle? C'est une chose en fait qui est fitri, quelque chose qui revient en fait à la nature propre, à la nature première. Comment en fait la personne va accepter d'une personne qui appelle à une chose et qui elle fait le contraire? Ça c'est impossible. Donc ça aussi ça fait partie des conditions. La amalu bima yad'u ilay, c'est accomplir ce don à quoi elle appelle. Wa kama qala Allah azza wa jalla wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan. C'est-à-dire qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah et fait bonne œuvre. Et fait bonne œuvre. Également parmi les conditions, bad'u bil aham fal aham. C'est-à-dire que la personne elle doit commencer par ce qui est le plus important et le plus fondamental. Et bien sûr, la première chose, et comme c'est également cité dans ce verset, lorsqu'on dit ad'u ilallahi, ou lorsqu'on dit hadi sabili, c'est ma voix, et lorsqu'on voit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait sa da'wah, sachant qu'il est resté à la Mecque 13 années, il est resté à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et durant ces 13 années, il n'a appelé qu'à quoi? La ilaha illallah, c'est-à-dire tahqiq al-tawhid, il a appelé à concrétiser le véritable monothéisme, le véritable unicité d'Allah azza wa jalla, durant 13 ans. Donc on voit qu'il a commencé par ce qui était de plus important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la personne qui appelle Allah azza wa jalla, qu'elle commence également par cela. Commencer par le plus important, et c'est cela. Donc la personne qui commence par une chose qui n'est pas celle-là, alors sache que c'est une personne qui ne suit pas la sunna et qui ne concrétise pas cette parole d'Allah azza wa jalla. قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla يقول في كتابي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah, c'est-à-dire pour qu'ils disent adorez Allah, écartez-vous du tarot. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'u ilayhi shahadata an la ilaha illallah. Lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a d'abord informé qu'il allait voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'ad qu'il allait voir des gens du livre. Qawman min ahli al-kitab. Donc, de par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça aussi, c'est un des points dans la da'wa, que tu saches quelle est la croyance de ceux à qui tu fais da'wa. Que tu saches quelle est leur croyance. Que tu saches quelles sont les bases sur lesquelles ils reviennent. Ça, c'est très important aussi également pour la da'wa de, en l'occurrence ici, des gens du livre. Inna kata'ti qawman min ahli al-kitab. Et ensuite, il lui informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la première chose qu'il devra faire dans la da'wa. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. La première chose, c'est quoi? C'est qu'il témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah. Et ça c'est كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ, c'est-à-dire تَوْحِيدَ الْأُولُوِيَةِ. La première chose que tu vas leur enseigner, c'est qu'est-ce que l'islam, et que l'islam en fait c'est quoi? C'est la religion qui est basée sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi fait partie donc des règles de la da'wah. Également parmi les règles, as-sabr, c'est-à-dire également la patience, l'endurance. La personne doit être patiente, la personne doit être endurante lorsqu'elle fait la da'wah. Parce qu'automatiquement, la personne qui commence à faire la da'wah, c'est obligatoirement qu'il lui arrive en fait des problèmes. Il va lui arriver des problèmes, Allah al-Musta'an. Ça c'est quelque chose qui est automatique. Les adversités, la personne elle va être confrontée à elle, à ces adversités. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Allah al-Musta'an. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous informe par rapport aux envoyés, par rapport aux prophètes. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint.
Et ça aussi, c'est un des versets qu'on va étudier après. Et également, sachant que le prophète nous a informé que ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont les anbiya, ce sont les prophètes. C'est-à-dire tous ceux qui vont suivre les prophètes dans leur travail, qui est bien sûr leur travail principal et leur mission qui est la da'wah. Donc tous ceux qui vont se rapprocher du travail de ces envoyés, ils vont automatiquement confronter à des adversités et autres. Wallah al-musta'an. Des embûches, des dangers, des souffrances, etc. قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. Et ensuite, وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَيْ أُنَزِّئُ اللَّهِ وَأُعَذِّمُهُ وَأُقَدِّسُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ أَوْ نَظِيرٌ أَوْ عَدِيلٌ أَوْ نَدِيدٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ صَاحِبَةٌ أَوْ وَزِيرٌ etc. Donc Allah Azza wa Jal ici, lorsqu'il dit Subhanallah, qu'est-ce que le ma'na Subhanallah? Donc on traduit par gloire à Allah, ou on peut le traduire par pureté à Allah. Et c'est encore mieux, pureté à Allah Azza wa Jal. Yani pureté à Allah, c'est encore mieux. Wa Subhanallah, ay unazzihu. C'est-à-dire, j'éloigne d'Allah Azza wa Jal qu'il est quoi? Qu'il est en fait un sharik, qu'il est un associé, ou qu'il est une personne qui lui ressemble, nadir, quelqu'un, ou une personne qui a son niveau, adil, ou nadid. Ou qu'il est un enfant, walad, ou qu'il est un père, walid, ou sahib, une compagne, etc. Ou qaddisuhu, subhanahu wa ta'ala, ou azzimuhu. Donc ça, c'est ma'na subhanallah. Et à chaque fois qu'on trouve subhanallah fi kitabillah azza wa jal, c'est de cette signification qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que on traduit, et le mieux de traduire, c'est pureté Allah azza wa jal. Donc dire la pureté Allah azza wa jal de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'a Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'a wal-ardu wa man fihin. C'est-à-dire qu'également at-tasbih qui est donc de dire subhanallah, qui est donc de dire subhanallah suivant bien sûr la signification qu'on a citée. Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'a wal-ardu, c'est-à-dire que les cieux et la terre, les sept cieux et également la terre, ceux qui s'y trouvent célèbrent ou disent sa pureté. Subhanallah. Et il nous dit Allah Azza wa Jal, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Il n'existe rien qui ne célèbre ou donc qui dit Subhanallah. Illa yusabbihu bihamdihi. C'est-à-dire qu'il célèbre sa gloire, donc Subhanallah, et également sa louange, les louanges. Illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun, c'est-à-dire que vous ne pouvez comprendre ce qu'ils disent, c'est-à-dire cette forme de tasbih, personne ne peut la comprendre. La nastati'a, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre cela, mais ils chantent quand même la pureté, ils disent la pureté à Allah Azza wa Jal. Innahu kana haliman ghafura, certes c'est lui qui est indulgent et pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Taïb, on va s'arrêter ici inshallah pour ce qui est du cours. Et on continuera, bi'idnillah, dimanche sera le prochain cours. Sinon demain, c'est bien sûr le cours avec le livre A'lam Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.